Bonjour, je m'appelle Michel Frassès, je suis actuellement retraité et j'ai souhaité aider un certain nombre de jeunes à pouvoir intégrer le monde du travail dans mon domaine qui est l'action sociale. En comptant la période du Covid, on va dire que ça fait 2 ans et demi. Malgré tout, pendant la période du Covid, j'ai pu continuer à accompagner une personne. À la fois pour donc perpétuer un petit peu le travail que j'avais auparavant, qui était aussi d'accompagner des jeunes dans le cadre de mon travail, pour la prise de responsabilité au cours de leur carrière, vers des responsabilités de chef de service ou de direction de service. Alors les choses sont assez cadrées, puisqu'il y a, un contrat qui existe normalement entre les parrains et les filleuls, qui inclut aussi le conseiller de la mission locale, et qui permet de donner des étapes pour à la fois le parrain et le filleul. Alors moi j'ai orienté plus en fonction du profil des personnes que j'ai suivies, j'ai orienté plus sur la rencontre du milieu. J'organise des rendez-vous au sein de structures pour que les jeunes qui cherchent à intégrer ces métiers puissent avoir un contact avec des personnes auprès desquelles ils n'auraient pas eu de contact dans une vie ordinaire. Alors là, je vais prendre en charge la troisième personne qui est candidate pour aller dans ce domaine-là. À l'époque où je travaillais encore, j'ai travaillé de manière très proche avec la mission locale, hein, puisque étant responsable de l'action sociale sur le territoire, j'avais aussi en charge les rapports avec les institutions qui suivent les jeunes, la première desquelles on trouve la mission locale. C'est la rencontre qui a eu lieu entre cette jeune fille et donc l'équipe d'éducateurs qui a eu lieu cet été, là, donc, qui a été vraiment un moment pour elle de précision de son projet et lui a permis donc d'être plus assurée dans son choix. Eh bien, je trouve que ce dispositif est un dispositif très intéressant dans la mesure où les domaines d'activité humaine sont nombreux et qu'il est important qu'il y ait des témoins un petit peu de ces métiers-là qui puissent faire la passerelle avec les jeunes qui recherchent une voie de formation et de travail pour leur propre avenir.